L'église évangélique La Bénédiction 6 à Adjamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Père, nous te disons encore merci pour cette belle journée que tu nous offres, pour cette belle vie que tu nous as donnée, pour ce beau temple que tu nous as donné et pour ces parents merveilleux que tu nous as donnés. Père, nous te disons encore merci. Ce matin, nous sommes encore devant ta face. Seigneur, enseigne-nous, édifie-nous, console-nous, révèle-nous tes sentiers. Et aide-nous à marcher dans tes voies. Père, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Un jour nouveau s'est levé. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Le titre du message ce matin, c'est la foi. On peut lire Hébreux 11, 1. La définition de la foi nous est donnée en Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisons maintenant Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, la Bible nous dit encore que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cela veut dire quoi? Que sans la foi, on est désagréable. N'est-ce pas? Ça dit que si sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable. Cela veut dire que sans la foi, en fait, on est désagréable à Dieu. C'est-à-dire sans la foi, nous énervons Dieu. Amen. C'est plus simple, non? Voilà, parce que tout ça, voilà. C'est-à-dire que sans la foi, quand quelqu'un n'a pas la foi, il énerve Dieu. Parce qu'il est désagréable. Dieu ne veut même pas le voir. Dieu ne veut pas le sentir. Dieu ne veut même pas écouter ses prières. Parce qu'il n'a pas la foi. Donc sans la foi, tu es désagréable. Sans la foi, Dieu n'est pas content de toi. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Sans la foi, toi et Dieu, il n'y a rien. C'est-à-dire Dieu ne te considère pas quand tu n'as pas la foi. Comme on dit, il n'a rien à gérer toi. Parce que tu n'as pas de foi. Donc, j'ai dit, mais attends, c'est trop compliqué ça. Nous venons, nous jeûnons, nous prions. Mais si nous n'avons pas la foi, attention, tout ça, ce sera nul. Parce que Dieu ne va même pas nous écouter, ne va pas nous regarder. Nous ne sommes pas dignes de recevoir quelque chose de Dieu sans la foi. Nous sommes désagréables à Dieu. On peut dire même que peut-être, enfin, c'est peut-être trop dit, mais ça dit, peut-être tu sens mauvais même devant Dieu. Mais c'est ça, quand tu es désagréable, on ne veut même pas te sentir, on ne veut pas t'approcher. Donc sans la foi, Dieu ne veut pas te voir si tu n'as pas la foi. Bon, à quoi ça sert tout ça? Si on se retrouve dans une affaire où Dieu ne veut même pas nous écouter, ne veut pas nous voir, parce qu'on est désagréable, il faut qu'on règle ce problème. N'est-ce pas? Cette affaire doit être réglée. C'est quoi la foi? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu agrée tout ça? Ou alors, est-ce que je suis désagréable devant le Seigneur? Est-ce que Dieu ne veut pas me voir? Et puis je saute pour rien, je danse pour rien. Parce que sans la foi, nous sommes désagréables. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, on a beaucoup prêché, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de miracles, je peux dire. N'est-ce pas? On a beaucoup entendu, on a écouté beaucoup d'enseignements, mais quand nous faisons le bilan, il n'y a pas beaucoup de miracles. Peut-être qu'on est désagréable à Dieu. Mais sinon, si nous sommes fidèles, si nous écoutons, si nous sommes là, tous les jours, nous prions, nous jeûnons, mais où sont les miracles? Où sont les accomplissements, c'est ça non, de nos prières? Les réponses favorables que nous attendons depuis longtemps, où c'est? Mais si nous sommes désagréables, Dieu, il ne nous regarde pas. Dieu ne peut rien faire pour nous s'il ne nous agrée pas. Maintenant, pour que Dieu nous agrée, il faut que nous ayons la foi. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, parce que nous allons avoir la foi. Amen. Dis à ton frère, ce matin-là, tu vas avoir la foi. C'est bien tout ce que nous avons fait. Sinon, si c'est pour jeûner, il y a des jeûneurs professionnels. Tout le monde n'est pas jeûneur professionnel. Il y en a qui fuient le jeûne. Mais il y en a qui sont des jeûneurs professionnels. Prière aussi, en tout cas, on a fait. Mais où sont les miracles? Nous, on veut voir les miracles. Amen. Amen. Donc, lisons Hébreux 11, 7 à 8. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Ok. Nous essayons de comprendre ce que c'est que la foi. Parce qu'une affaire où Dieu ne nous agrée pas quand on n'a pas, il faut fouiller, chercher et comprendre. Donc, Hébreux 11 nous détaille la foi. On dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, a commencé à construire l'arche. Imaginez-vous Noé en train de construire l'arche et puis il raconte que non, Dieu dit qu'il y aurait un déluge. Mais où tu as vu Dieu, où il t'a parlé? Comme ça, tu te lèves un beau matin, Dieu m'a parlé et tu commences à construire un bateau. Ça fait rire, hein?
Attention, ça va faire honte bientôt si Dieu ne dit rien. Il n'a pas regardé à tout ça. Il a commencé à construire. Il a commencé à poser des actes. Il a commencé à faire quelque chose. Parce que pour lui, il avait rencontré Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Donc personne ne pouvait le convaincre du contraire. On dit, c'est par la foi que Noé a construit. Et puis que Noé a été sauvé. On dit aussi que c'est par la foi que Abraham a suivi Dieu. Et qu'il est rentré dans la bénédiction. Comme ça, tu es là avec ta famille. Tu n'es pas pauvre. Un bon matin, on dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Et tu vas où? Je ne sais pas. Hein? Comme ça, tu n'as rien vu. Et puis tu suis. Ton affaire là, fais attention d'elle. N'est-ce pas? Mais il n'a rien vu devant. C'est-à-dire, il n'a pas cherché à voir. Mais il a simplement suivi la voix de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Et il a eu confiance que si c'est Dieu qui a dit, alors ça va s'accomplir. Donc il a démarré. On dit, c'est par la foi qu'Abraham est parti. Nous cherchons à comprendre la foi. Qu'est-ce qui fait que Dieu nous agrée? C'est la foi. Qu'est-ce qui fait que Dieu nous donne ses miracles? C'est la foi. On dit, sans la foi, il n'y aura rien. Sans la foi, il n'y aura rien. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? On va reprendre Hébreux. Parce que c'est capital. C'est-à-dire, la vie chrétienne est une vie qui doit progresser dans le bon sens. Quand ta vie chrétienne ne progresse pas, il faut toujours chercher à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté parce que Dieu, lui, il est bon. C'est comprendre? C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Hein? Dieu, lui, il est bon. Et il n'a pas de souci à te faire du bien. Il est justement là même pour toi. Il veut t'aider, il veut ta réussite, il veut tout ce qui est bon pour toi. Mais quand ça ne va pas, c'est ton devoir de t'asseoir et chercher à comprendre où est-ce qu'il y a le problème. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut découvrir ce que c'est que la foi réelle. Parce que si tu es agréable à Dieu, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à Dieu. Dieu fait tout pour toi. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Relisons Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et. Yeah, et. Donc, la foi a deux. De quoi? Deux volets. Voilà. Deux paramètres importants. Or, la foi est une ferme et une démonstration. Donc, la foi a deux paramètres. C'est-à-dire, aujourd'hui, certainement, on a compris la foi d'une autre manière. On dit, la foi est une ferme assurance. Donc, primo, ferme assurance. Cette ferme assurance, c'est la croyance. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu crois que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. C'est une ferme assurance. N'est-ce pas? Tu sais que ce que Dieu a dit, c'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, une ferme assurance. Tu espères quelque chose. Tu espères en Dieu pour quelque chose. Dieu a dit une parole. En tout cas, tu crois. Qui ne croit pas? Est-ce que nous ne croyons pas tous ici? Nous croyons, c'est pour ça que nous sommes là. Sinon, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Nous croyons que ce que Dieu a dit là, il peut faire. Nous avons la croyance. Parce que nous croyons. Et on nous appelle même des croyants, tellement on croit. Amen. Premier paramètre, c'est d'abord croire. Et deuxième, parce qu'il a dit c'est une ferme assurance et une démonstration. Donc le deuxième paramètre, c'est la démonstration, c'est-à-dire c'est agir conformément à ce que tu crois. C'est prendre, c'est-à-dire poser des actes, agir, poser des actes concrets. Quand tu dis tu crois là, tu fais quoi pour ça? Donc la foi, ce n'est pas la croyance. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu est capable de le faire que tu as la foi. La foi n'est pas la croyance. Sinon, depuis, on a fini avec ça. Parce que nous, on croit, on est des croyants. La foi est une ferme assurance, c'est-à-dire la croyance plus la démonstration, les actions qu'on pose. Donc, foi égale à croire plus agir. Voilà les deux paramètres qui définissent la foi. Donc, si tu crois que tu n'agis pas, on t'appelle quelqu'un qui n'a pas de foi et quelqu'un qui énerve Dieu.
Quelqu'un que Dieu n'a même pas envie de regarder. Dieu n'a pas envie de sentir. Parce que ta croyance, elle est fausse. N'est-ce pas? Montre-moi ta foi, montre les œuvres. Hein? Et puis on verra qui a réellement la foi. C'est facile à dire dans la bouche. Mais tu fais quoi par rapport à ça? Donc la foi, c'est deux paramètres. Il a dit, oh, sans la foi, on est désagréable. Donc notre foi là, on comprend aujourd'hui que c'est croire et puis agir. Sinon on dit quoi? On dit les démons là, eux-mêmes croient. Lisons Jacques 2, 19. Si c'est pour croire, même démons croient. Ça dit les démons même, ça dit ils croient tellement qu'ils tremblent. Nous on croit et puis on est calme. Ça dit eux-mêmes leur croyance là même est encore plus élevée. Parce qu'ils le connaissent, n'est-ce pas? Eux ils croient et puis ils tremblent. Nous on croit mais on est calme. Amen. Donc je dis que la foi, c'est croire plus agir. Pour être agréable à Dieu, il faut croire et puis agir. Lisons Josué 1:8. Vous allez voir. Pour réussir le livre de la loi, il faut lire pour avoir la connaissance, n'est-ce pas? Médite jour et nuit et puis tu vas avoir les paroles, tu crois en ces paroles. Maintenant, agis. N'est-ce pas? Après avoir médité la parole jour et nuit, on n'a pas dit va dormir et puis ça a tombé du ciel. Pour réussir, Josué, quand il a étudié la parole, il n'a pas pris la parole déposée et puis attendre que Dieu fasse tomber les choses. Mais quand il a lu, quand il a médité jour et nuit, quand il a eu la connaissance, il a commencé à agir. Donc, Josué est un homme de foi. Si tu veux réussir comme Josué, tu dois agir comme Jésus a agi, conformément à la parole de Dieu. Donc Jésus est un homme de foi. C'est pour ça qu'il réussit. Nous devons être des hommes de foi pour pouvoir réussir. Pas des hommes qui croient et qui ne posent pas des actes, qui démontrent qu'ils ont cru. Jésus est un homme de foi. Un exemple comme ça, moi j'avais une sœur. Et on s'est retrouvés quelque part, et puis on nous enseignait la foi. Dans des années, on était nouvellement chrétiens, et on nous enseignait la foi. En ce temps, le pasteur nous avait dit que, quand tu as la foi, par exemple, tu cherches un enfant, tu veux avoir un enfant, Dieu dit qu'il n'y a pas de femme stérile, donc il faut croire que tu n'es pas stérile. Donc commence à poser des actes, n'est-ce pas? Par rapport à cette foi-là, à cette croyance, pose des actes. Très bien. La sœur a commencé à dire au foyer à monsieur qu'elle est enceinte. Mais c'est vrai, on dit de poser des actes. N'est-ce pas? Il faut croire, et puis il faut poser des actes. Amen. Donc elle a commencé à dire déjà que je suis enceinte et tout. Bon, le papa, il y a longtemps, il attend l'enfant. Tu dis que tu es enceinte. Bon, lui il n'était pas à l'église, hein, toi. C'est toi qui as eu ta foi et le message. Elle a commencé à dire qu'elle était enceinte, même déjà commencé à faire un berceau et tout. Quelques temps après, le monsieur voit qu'il n'y a pas de grossesse. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu ne m'as pas dit que tu es enceinte? Non, non, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le pasteur qui a dit de dire. Il a frappé. Ça, c'est la foi? Bien sûr que non. Elle a agi, certes, mais elle n'a pas agi selon Dieu. Non, c'est le pasteur qui a dit de faire. Et puis moi aussi, j'ai fait. L'affaire est tombée sur le pasteur. Mais le pasteur ne peut pas te donner. N'est-ce pas? Si ta foi est basée sur la parole du pasteur, tu n'auras jamais rien. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, mais c'est ce que Dieu dit qui doit te faire bouger. Amen. Le pasteur, lui, n'a fait que te réciter la parole de Dieu. Donc ta foi basée sur la parole de Dieu doit te pousser à faire, à poser des actes. Donc cette foi-là n'était pas une foi. C'est pour ça qu'elle n'a pas reçu le miracle. Elle s'est fait chicoter par le mari. Traitée de menteuse. Et elle a dit, ce genre de foi-là, elle ne veut plus. La foi où on doit te frapper, elle ne veut plus. N'est-ce pas? Mais ça ne demeure pas. C'est-à-dire, il est toujours vrai, malgré ce qu'elle a vécu comme expérience, que la foi sans œuvre est une